Bonjour, frère Maxime, comment nous sommes? C'est JFL Cuisine Créole, Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison qui rentre la canou, moi dis nous merci. Merci pour confiance nous, merci pour fidélité nous et merci pour bouche à l'oreille que nous avons continué à faire pour moi sur la chaîne. Jodi à la m'a préparé pour nous une gratinée de mazombel au poulet. Quand nous la même cuisse de poulet, ça ou là, ça nous est le blague dans le pays noir. Moi je viens avec un petit sel, je viens juste assaisonner avec celle-là. Moi tout mettez dans la plaque là, moi mettez bon petit sel sous lui. Moi mettez four moins à 375, m'a mettez le cuite pendant au moins 45 minutes. Mais ma zombelle moi là, pendant qu'il vient pour le moins cuite, regarde, on calé ma zombelle moi, m'te mettez le conserver dans de l'eau froide, on va le couper. Nous couper j'en ouvre. On a toute ma zombelle la fin bien coupée là, qu'on a la m'bral mettre dans la chaudière pour une partie cuisson. Je vais mettre ma zombelle là dans la chaudière. Je vais mettre une cuillère de sel là-dedans. Je vais mettre le cuit. Mais ma zombelle là la fin bouillie, qu'on a nous garder les cuites là. Une fois qu'elle est bien cuite, ouais, les cuites là, qu'on a là, je vais faire le refroidir. Je vais couler de l'eau, je vais mettre de côté et puis on va faire une sauce béchamel ensemble. Pour me faire sauce béchamel, je vais mettre une tasse de beurre. Une fois que le beurre est fondu, je vais mettre une tasse de farine. Je vais quitter le cuit pendant au moins 3 minutes. 3 minutes plus tard, je vais venir avec 4 tasses de lait. On a là ma quitter les cuites, mais de temps en temps ma brasser. Non pas bail froid en pile d'ifé. On commence à brasser là. Nous, moi mettez une petite cuillère de sel. Moi mettez oignon, mettez une tasse oignon. Moi mettez poudre d'oignon. Moi mettez poudre d'ail, une cuillère. Continuez à brasser toujours. Je vais brasser avec des épices de météo. On a même fini avec 2 tasses de tomates en D. Je vais mettre là-dedans. Si toutefois que nous avons besoin de matériel, ça nous allons utiliser. Tout ce que nous utilisons en cuisine ou bien cours pâtisserie, nous avons fait une vidéo à côté. Nous avons un lien qui a marqué Amazon.ca JFL Cuisine Créole. Nous avons cliqué sur lui et puis nous avons tombé dans un magasin directement. Côté qui nous avons tout ça que nous avons besoin. Et puis nous avons commandé n'importe côté nous à travers le monde, il a fait livraison à nous. On est là, m'a quitté le fond de cuire, ça m'a brassé pendant au moins 10 minutes. Après ça, on a venu. Nous allons commencer bien épais. Hein? Ça veut dire que c'est très important pour ne pas mettre en pile d'ifé pour ne pas coller en balle. Moi-même, il faut moins à 3,5, 4. Donc on est là, si sauce béchamel, moi, c'est quasiment fini. Moi, je mets une tasse de poivron là-dedans. Mais mettez un petit tasse de demi-tasse d'oignon vert là-dedans. Et ça, c'est un piment bouc. Moi, mettez pour piment bouc là-dedans. On a là, on brasse tranquillement. On a là, on a goûté. On a ajusté le goût, on a quitté le fond. 15 minutes de cuisson, doucement, qu'on a froid à 3. Qu'on a viande pour le moins fin cuite, moi, je vais le sortir, je vais le déchiqueter pour le là pour nous. Mais pour là, fin déchiqueter, bien déchiqueter, c'est pas fait ça. Mais ma zombelle, moi, je vais vider ma zombelle là-dedans. Quand on là, je vais mettre la sauce béchamel là-dedans. Vous ne pouvez pas vider toute sauce béchamel là-dedans. Parce que vous ne pouvez pas pas trop ou pas. Quand on a ça, je vais prendre la cuillère. C'est vraiment bon, hein? C'est excellent. Même si mon petit a mangé, d'accord? Quand on a brassé, on ne pas brasser l'empile, hein? Ou juste soulever pour que. Sauce là en train de dedans. Je vais mettre un petit sauce encore. Et voilà. Maintenant, je vais là, on va déposer dans un plateau pour mal faire gratiner. Mais mon là, je vais bien graisser lui. Et puis, je vais mettre le four à 375. Je vais vider là-dedans. Pas oublier ça, c'est un mazombel gratiné au poulet. Hein? Et voilà. On va mettre le four à 375. Pour un bon 45 minutes
ça va être parfait et excellent. Hein? Qu'on a mal mis dans le bafou, on a posé. Moi, pas mettre fromage là-dedans, si vous même voulez, ou qu'à mettre fromage. Ouais. Maintenant, après 45 minutes, voilà, qu'on a la marque quitté le fond, refroidi. Une fois refroidi, après ça, nous allons couper. Le nous fait maison belle gratinée, ce n'est pas une recette que nous allons faire dans le carré là. C'est une recette qui nous prend une cuillère, nous passer pour nous déposer nos assiettes. Et voilà, c'est comme ça là. C'est normal pour comme ça là. C'est comme ça le doyer là. Pas de sec non plus parce que c'est pas une pâte. C'est bon là. Quand on a juste goûté pour moi, qui ça, ça dit? Bon. C'est excellent. C'est très bon. Ma zombie là très fin. Il sortit bien, bien, bien. Comme je dis, non, il pas de trop sec non plus. C'est parfait. Regarde, de dessus, c'est correct. Pas oublier de partager la vidéo. C'était JFL Cuisine Créole. Jean-Fédon lundi. Votre chef à la maison, tente la canon. Merci. Au revoir.